première phrase, c'est les religions, le fruit des dissonances. Est-ce que ce premier vers est le premier vers depuis le début de la construction de ce recueil? Oui, ce premier vers est le premier vers depuis le début. Il m'a inspiré d'aller plus loin pour parler des briseurs de rêves. Voilà. Première phrase, c'est un roman. Enfin, la première phrase est très courte. La lumière lui déchire les yeux. Point. Est-ce que cette première phrase a toujours été la première phrase? Elle a toujours été la première phrase. Oui. J'ai commencé par cette phrase. Oui, c'est vrai. Ça a été le début. Oui. La première phrase. Bah, écoutez. Au peuple noyé dans les profondeurs macabres d'un immense océan de désastres et de malheurs infinis, j'ai longtemps pensé que ton histoire était un non-sens. Est-ce que cette première phrase, depuis le début de la rédaction du volume, a été la première phrase? Ça l'a toujours été, oui. Être formel. Oui, tout à fait, oui. Sans épigraphe, rien, enfin c'est juste... Alors là, pour le coup, je vous laisse choisir. Le chemin descendait, suivant la voie ferrée. Le jardin n'avait pas de limite, caténaire à fond perdu. Est-ce que cette première phrase a toujours été la première phrase? C'est-à-dire que c'est un ensemble qui reprend différents poèmes, différents recueils de poèmes, dont un qui a été publié, qui était celui par lequel commençait cette phrase, ces vers, disons, et qui était donc c'est un ensemble où il y a à la fois des poèmes et des choses qui sont proches du théâtre, c'est entre le théâtre et la poésie. Oui, c'est bien que ça ouvre le livre, en tout cas, c'était... Toute la beauté du rêve tient dans l'éloge d'un lieu non atteint. Est-ce que ce premier vers a toujours été le premier vers de ce texte? Oui, oui, c'est de ce vers qu'est né l'ensemble de ce poème fleuve. C'est le cardinal de Richelieu qui parle. Mon Dieu, vous me laissez seul, malade, triste et pauvre, moi, Armand Jean Duplessis de Richelieu, évêque. Cette foi dont vous m'avez investi, il faut que je l'emploie à exercer le bien, c'est certainement cela que vous voulez, alors je suis prêt. Est-ce que cette première phrase a toujours été dans votre esprit la première phrase du texte? Elle ne peut être que la première phrase du texte, oui. Eh bien, ça ne l'engage que moi, et donc ça ne lecture que vous. Alors, de quoi s'agit-il? Oui, de quoi s'agit-il, vous demandez-vous, mais vous aurez très vite compris qu'ainsi écrit, il s'agit de la mort pardi. Voilà. Et c'est donc en attendant le crevat, qui est une expression très dure, très celle que les mineurs du borinage belge avaient dans la bouche lorsqu'ils sentaient la silicose les atteindre et les emporter. Oui, c'est parti de là. Je voulais intituler cela « En attendant le crevat » justement. Et en fait, comme c'est une expression locale et que j'ai été publié chez Gallimard, ils m'ont dit « Oui, mais on ne va pas comprendre dans le sud de la France, etc. » C'est l'expression nordique, je suis un nordique, je suis un belge. Et donc j'ai changé de titre. Et à partir du moment où j'ai dit « En attendant le crevat », j'ai continué en attendant ceci, en attendant cela, je fais ci, je fais là, et on verra. Voilà. Les âmes ont pieds nus. J'ai attendu Roger, on attend le Seigneur. Je les ai vus. Là, ils tournent. On est mort.
Je les ai vues, elles, avec ces murs camouflés, elles, avec leurs blessures cachées sur leur piste. Est-ce que cette première phrase était la première phrase depuis le début? C'était la première phrase, parce que dans tous mes livres, j'ai un poème qui ouvre la porte pour d'autres poèmes. Ça veut dire qu'elle fait vraiment les thèmes de tous les livres. Et celui-là, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Alors, j'ai écrit parce que je les ai vus. J'ai vu ces femmes, j'étais en contact avec elles et j'ai écrit le livre pour elles. C'est le début que vous voulez. Notre présence, parfois, nous devient étrangère, comme sortie de nous, afin d'aller sur quel chemin, sans tour, sans cavalier. C'est pas à proprement parler un début, n'est-ce pas? C'est tout de même au début, dans la mesure où c'est la 5e ou 6e page. Mais... pour moi, il faut que les 10 premiers poèmes, disons les 10 premiers poèmes, se développent d'une certaine manière, grossissent, si vous voulez, l'habitation poétique. Ça n'est pas le premier qui me paraît le plus important, mais c'est comment le premier se transmet dans les autres. Dans l'uniforme qu'il habitait, ce mercredi ensoleillé du mois de juin, Benjamin avait les allures d'un Yankee. Non, ça n'a pas été la première phrase de la première version du test, mais elle est devenue la première phrase du roman finalement. Il y a trop longtemps que je ne l'ai pas vu. Dans sa maison sombre, la voix tambourine et claque. Une grêle sur la vitre. Le café poivré fume sur la toile cirée. Le grand rire éclate plus fort que le bruit pénible de la télévision. Est-ce que cette première phrase a toujours été? Ça a toujours été la première phrase de ce livre, oui. La première phrase, c'était bien fait. Est-ce que cette première phrase a toujours été la première phrase? Oui, absolument. C'est d'un livre. Qu'est-ce qui vous rend si sûr? Je suis sûre que c'est la première phrase. Oui, j'ai repris différentes choses, mais ça, c'était la première phrase. J'ai repris le début, mais c'était la première phrase. C'est quelqu'un qui parle de la vie, de l'ADN et de la vie au point de vue physique. Voilà. Ho ho ho, another ho. Ho ho ho, another ho. Est-ce que cette première phrase a toujours été là? De ce texte? Oui. Ah, la première phrase de mon livre. La danse des parapluies sous la pluie nous anéantit. La peine du déni dans ton regard déchire le silence, déchire. Sur les pavés glissants, il avance les yeux fermés, ce destin ivre. Avec un pas détaché, vers une fin certaine. Oh, ce doute nous anéantit. Est-ce que cette première phrase, ce début du livre, a toujours été le début du livre? Oui, ça a été, c'est vrai, c'était un des premiers poèmes, si c'est par saison que j'écris. Donc c'était le premier poème de cette saison-là, oui. Et la beauté change de nom. Un visage reprend toutes les images. Est-ce que c'est ce premier
premier vers a toujours été le premier vers de ce volume. Oui, absolument. Il est formel. Oui, 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 parce que ça s'impose. C'est exactement ce que j'ai voulu dire autour de ce visage roman, c'est-à-dire ce qui se déclenche dans la rencontre de ce qui va être l'autre avec un grand A, et à travers un visage, tout simplement. Donc la beauté change de nom, il y a pu avoir des histoires avant, d'autres amours, tout à coup il y a ce qui s'impose. Donc oui, ça a été...